Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment fonctionne le Focke-Wulf 190D9 au niveau du roulage pour le, sur le taxi. Donc sur cet appareil, c'est avec votre manche que vous allez verrouiller ou déverrouiller votre roulette de queue. Par contre, au niveau des palonniers, ça va pas vous servir à le diriger. Sur le Focke-Wulf, il faut jouer avec les freins et du coup en déverrouillant ou en verrouillant la roulette de queue. Donc lorsque le manche est tiré vers vous, manche au ventre, vous allez la verrouiller. Et lorsque vous poussez, vous allez déverrouiller la roulette de queue. Voilà. Donc là, pour je vais aller jusqu'à la piste qui est à côté. Je verrouille. Je mets des gaz. Et je freine. Alors, on va le laisser prendre la vitesse. Là, je vais déverrouiller, je pense, en avant. Je compense avec les freins pour pas qu'il aille trop loin. Voilà. Dès que je vais droit, je reverrouille. Je donne des petits coups de frein quand même de temps en temps. Là, je vais devoir faire un virage beaucoup plus serré, donc je déverrouille ma roulette de queue. Donc c'est avec des coups de frein qu'on va vraiment le diriger. Et voilà, on est aligné pour le décollage. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire pour décoller avec le Focke-Wulf. A bientôt!